Bonjour au tout premier, on va pas commencer tout de suite, mais là je fais un test son. Donc si vous m'entendez, n'hésitez pas à me le dire. Alors les slides sont ceux-là, ne sont pas encore dispo sur le site, mais si vous parcourez le site des Arsouilles sur les cours qu'on donne, souvent ils finissent par apparaître quelque part. Donc vous aurez des versions en France, en anglais pour l'Université de Bretagne Sud, des versions en français pour LDNR. Il y a plusieurs versions qui traînent, mais au pire je peux mettre celle-là en ligne aussi. Pour ceux qui demandaient où seront les slides, il y en a déjà là, ce que je disais. Il y a les versions Université de Bretagne Sud. Bon, ils sont en anglais ceux-là. Mais si vous voulez les récupérer rapidos, ça en fait déjà une version. Les autres, je les mettrai après la conf. Bon, on va commencer tranquillement. Les autres arriveront en cours, j'imagine. Alors, vendredi, on s'était laissé sur l'OASP, du côté de fin 2010, enfin début des années 2000, avec cette idée que au début, les gens étaient un peu tout seuls dans leur coin à découvrir un peu l'univers dans lequel ils allaient évoluer. On découvrait le cyberespace. Et là aujourd'hui, on va faire une deuxième partie où le cyberespace a déjà été arpenté, on a à peu près une idée d'où on est, où on va, et les industriels vont débarquer pour commencer à prendre la place, créer les structures, etc. Donc on a une grosse partie industrialisation dans cette deuxième partie. Accessoirement, c'est aussi la deuxième partie dans laquelle normalement à peu près tous les auditeurs dans le public sont déjà nés, normalement. Ou en tout cas, ils vont naître dans les années qui arrivent. Donc ça va commencer à parler de choses où il y a plus de monde qui connaît, mais ça sera peut-être un peu moins nostalgique pour les plus anciens. Alors, hop, remettre mon focus, c'est bon. Donc le web 2.0, donc après le web 1.0 où on a tout inventé, là c'est le web 2.0.
Donc le terme en vrai, il a été inventé en 2003, mais en fait, il nomme quelque chose qui était avant, c'était la bulle Internet, où fin 90, début 2000, les gens ont commencé à faire des sites web pour tout et n'importe quoi. Et il y avait vraiment une bulle spéculative où les investisseurs se sont dit, c'est nouveau, ça risque de bien monter, on va investir de partout. Et donc n'importe qui créait sa boîte web avait des fonds, et c'était un peu ah là là, des startups qui étaient créées là-dessus, mais tout, pour tout et n'importe quoi, on créait des startups dans le cyberespace en imaginant qu'on arriverait à s'en sortir. Et puis, dans les années 2000, ce qu'on appelle la bulle Internet a explosé, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire sur Internet avec les méthodes standards. Et ça a vraiment fait flop. La plupart des entreprises se sont cassées la figure et ne sont restées vivantes que les plus stables d'entre elles. Et en gros, toutes celles qui avaient basé leur business sur la publicité. Donc typiquement sur cette image-là, on voit YouTube, on voit Yahoo, on voit Twitter, on en voit plein dans le genre. Donc Yahoo, ils sont un peu reculés depuis, mais il y a Facebook à gauche. Donc seuls les plus, comment dire, les plus stables sont restés. Et le terme Web 2.0 a été inventé en 2003, en fait, dans une tentative de faire revivre cet écosystème web en essayant de re-récupérer des fonds. Donc, c'est un terme ils ont voulu que le Web 2.0 soit après 2003, mais en réalité, il décrit la réalité qui était avant et on n'a jamais vraiment retrouvé cette créativité un peu fofolle des années 90. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit. En début 2000, en fait, on a un gros crack qui s'est passé, les gens sont en train de se regarder et n'émergeront plus que les solutions suffisamment stables. Donc, parmi toutes les solutions, Tor, que certains d'entre vous utilisent, Tor c'est 2001. Il faut imaginer qu'avant Tor, si vous vouliez commencer à naviguer de manière anonyme sur le net, il fallait trouver des proxys soi-même. Donc, soit en piratant des proxys existants, soit en installant ses propres proxys un peu partout. Éventuellement, si vous voulez passer par plusieurs relais, bah, il fallait le faire à la main aussi. Et là, Tor arrive et Tor, il automatise tout. Vous installez un logiciel sur votre PC ou votre serveur ou n'importe où, et il va automatiquement faire transiter le trafic des copains, et le vôtre en échange transitera aussi par Tor. À travers plein de relais. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement de Tor, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que à partir de 2001, on a un outil qui fait tout. Vous l'installez, vous le configurez un tout petit peu, et hop, ça y est, vous avez un système de navigation en ligne complètement anonyme. Au sens réseau, il est anonyme. Après, ce qui passera dans le flux HTTP, si vous allez sur des sites, c'est autre chose. Mais en attendant, il y a cette idée d'un outil qui fait tout pour vous et qui simplifie vraiment la vie des usagers. En 2003, il y a Metasploit qui sort. Ça a été un gros truc. Parce qu'il faut imaginer que dans les années 90, quand vous vouliez faire du pentest ou du hacking, il vous fallait des exploits, hein, comme aujourd'hui. Mais les exploits, c'était un peu comme des cartes Pokémon qu'on s'échangeait les uns les autres. Donc chacun avait un peu sa collection de cartes Pokémon. Et quand vous vouliez la grossir, ben vous filiez un exploit à un pote pour que lui, en échange, vous en filiez un autre. Et il y a vraiment cette notion de collection à faire soi-même. Et la puissance d'un hacker, entre guillemets, c'était la taille de sa bibliothèque. Et les pentesters qui travaillent pour les entreprises, ben c'était un peu leur richesse à eux, quoi. Leur capital informationnel, c'était les exploits qu'ils possédaient. Et puis arrivent petit à petit des outils de plus en plus automatiques, donc par exemple Nmap, hein, dont on avait parlé en 96, puis ensuite Nessus qui commence à aller un peu plus loin que Nmap, et puis Metasploit en 2003 qui, eux, ils décident carrément de mettre les exploits dedans, c'est-à-dire que Metasploit va scanner les machines, détecter les différents systèmes, différents logiciels, différentes versions, et en fonction de ça, lancer automatiquement les exploits si vous avez envie. J'étais là dans la conférence STIC qui avait eu lieu cette année-là, enfin dans ces années-là, où c'était juste une rum session parce que les organisateurs n'avaient pas trouvé le sujet suffisamment important pour nécessiter une conf. Donc les petits jeunes qui étaient passés avaient fait OK, d'accord, une rum session en 5 minutes. Et je sais que quand ils ont commencé à montrer leur idée, leur logiciel et qu'ils ont fait la démo, il y a eu un silence de mort dans l'amphi parce que tous les pentesters de la salle venaient de se rendre compte que les petits jeunes en bas venaient en fait de tout casser. C'est-à-dire qu'avec un seul logiciel, on avait de la librairie totale des exploits qu'eux utilisaient d'habitude et que d'un seul coup, ben, n'importe qui utilise Metasploit pourrait commencer à concurrencer ces pentesters à l'ancienne qui s'échangeaient encore les exploits à la main. Et donc ça a vraiment fait un changement parce que d'un seul coup, la richesse n'était plus dans la possession de petits exploits, de petits logiciels, mais plutôt dans l'art d'utiliser Metasploit et ce genre d'outils. Ça a aussi fondé toute l'ère où, quand quelqu'un trouve une vulnérabilité, le but c'était d'aller avoir un numéro de CVE, mais pour vraiment montrer que la vulnérabilité était un peu réelle, la preuve de concept ultime c'était de faire un plugin Metasploit pour pouvoir
prouver que c'était vraiment réel. Quelques années plus tard, on a Aircrack NG qui sort. Alors après, pareil, hein, c'est toujours des... Comment dire? C'est des événements qui naissent pas d'un seul coup, en fait, hein, parce que l'idée, c'est qu'en 99, on commence à faire du Wi-Fi avec des clés web qui sont pas terribles, terribles. En 2003, on commence à rajouter du WPA. Et à ce moment-là, les gens avaient un peu des petits outils à eux pour casser les Wi-Fi des voisins. Ce qu'on appelait l'ère du war driving, où l'idée c'était de se balader en voiture, enfin souvent en voiture, hein, parce que c'était pas évident de le faire autrement, et puis de traîner dans des zones un peu industrielles, dans des zones un peu résidentielles, à la recherche de Wi-Fi qui soit ouvert ou alors pas très bien sécurisé, pour récupérer une connexion Internet, parce qu'à l'époque, dans ces années-là, les connexions Internet étaient un peu chères pour pas forcément avoir grand-chose, et beaucoup d'étudiants ou autres n'avaient pas forcément l'argent d'avoir une connexion, et donc préféraient pirater les connexions des entreprises ou des particuliers. Donc chacun avait son petit logiciel, et puis petit à petit, Aircrack a commencé à tout mettre en un seul et à tout centraliser, ce qui fait qu'il suffisait d'avoir Aircrack pour que ça fonctionne. Plus besoin de coder ses trucs à la main, etc. Donc là, vous avez une image dans la première série, une série. Je sais plus quel pays elle vient, cette série-là, mais où on voit une capture d'écran avec un crack bien utilisé. Donc ça a été utilisé régulièrement dans le cinéma de récupérer des captures là-dessus. Mais voilà, c'est encore une fois un nouveau logiciel qui arrive et qui, en fait, centralise tout ce qui est connu sur le Wi-Fi et devient un peu le point d'entrée pour tout ça. Et donc, toujours pour aller plus dans la centralisation, Backtrack en 2006, où là on va encore plus loin, c'est-à-dire que plutôt que juste un logiciel qui va faire quelque chose un peu global, là, on fait carrément tout un système d'exploitation. Donc à la base c'était sur un Knopix que c'était basé, où dans ce Knopix on va mettre tous les logiciels utiles quand on fait du pentest ou autre. Donc on va y mettre Nmap forcément, Nessus, Metasploit, etc. Aircrack, on va y mettre SuiteKit pour faire du forensic, ce genre de choses. Et donc pareil, c'est une révolution à ce moment-là parce qu'il n'y a plus besoin de tuner soi-même son petit... Avant, les pentesters avaient leur PC portable comme maintenant, mais ils devaient eux-mêmes configurer leur propre système avec leurs propres outils, et il y avait encore un peu ce côté Pokémon sur les logiciels. Et là, en 2006, avec le Backtrack, bah, il suffit de mettre la Backtrack en fait. Elle est déjà configurée, il y a tout ce qu'il faut. Customiser une Backtrack n'avait pas beaucoup de sens tellement il y avait de choses dedans. Et puis bon, les choses sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que les projets naissent, les gens consacrent du temps, et puis ils vont vers d'autres horizons, ils n'ont plus le temps de maintenir ces logiciels-là. Donc du coup, la Backtrack s'est arrêtée, ça a été repris par des Français en 2012, et ils ont renommé leur distribution Kali Linux, que vous utilisez quasiment tous maintenant, et qui est par contre basée sur Debian initialement. Alors je ne sais plus si c'est Ubuntu ou Debian maintenant. Mais bon, ça a changé, on était sur du Knopix, on est passé sur Debian. En parallèle de ça, donc au niveau des outils, en parallèle de ça, il commence à avoir un deuxième mouvement, un peu plus de prise de conscience philosophique, où avant, les prises de conscience philosophiques étaient faites un peu individuellement. Certains hackers avaient une prise de conscience et en parlaient de temps en temps dans des articles, mais il n'y avait pas vraiment de conscience que les hackers formaient un groupe, qu'ils avaient quelque chose à dire, etc. Et en 2003, les choses commencent à... Enfin, pas en 2003, mais à cette époque-là, les choses commencent à changer aussi parce que les gens commencent à se fédérer. On a les débuts des réseaux sociaux, etc. Donc là, les Anonymous, c'est sur 4chan que ça commence. Où au début, le but, c'est surtout de troller. Tout simplement, troller les grosses structures sur Internet, etc. Et puis, petit à petit, commence à avoir une prise de conscience de protégeons nos intérêts dans le cyberespace avec cet état d'esprit de... Le cyberespace est un endroit à part, avec des gens à part, et on ne veut pas que le système de valeurs très matérialiste du monde réel vienne, comment dire, pourrir l'ambiance du cyberespace où on est beaucoup plus anarchiste, punk. Dans le cyberespace, on partage tout, il y a pas, y a la liberté de parole est énorme, la liberté des informations aussi, alors que dans le monde réel, c'est plus compliqué. Il y a un peu comment dire, cette césure entre ces deux mondes. Et les Anonymous, ils incarnent un peu ça en disant non, non, on veut continuer à s'amuser dans le cyberespace comme on veut, et on va lutter un peu contre toutes les tentatives de régulation du cyberespace, avec des actions fun, avec des actions de troll, avec des actions dans la vie réelle, qui vont beaucoup bouger. Mais du coup, il y a une espèce de prise de conscience, on n'est pas juste dans le hacking pour défacer un site, on n'est pas juste dans le hacking pour de l'argent, il y a aussi tout un pan philosophique où on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que le cyberespace, etc. Qui deviennent plus globales en fait. Ces questions-là existaient déjà hein, depuis le 2600, mais en attendant, elles sont un peu plus globales.
Quelques années après Wikileaks, donc on est toujours sur cette idée de prise de conscience-là. Si on remet en contexte, en fait, il y a un livre de cyberpunk, enfin l'ancêtre du cyberpunk, en fait, s'appelle Sur l'onde de choc, qui est un livre écrit par John Brunner, qui a été publié en 1975, donc à ce moment-là, ça fait déjà presque 40 ans que c'est publié, où l'idée du pitch du livre, en fait, c'est de se dire, si on était capable, enfin, les réseaux informatiques contiennent toutes les données qu'on puisse imaginer, et si on pouvait, d'une certaine manière, accéder librement à toutes ces données-là, eh bien, on pourrait commencer à savoir ce qui se passe réellement, et donc tous les sénateurs corrompus, etc., bon, on pourrait avoir les informations en question, on pourrait du coup avoir une meilleure transparence de la vie publique, et les citoyens pourraient exercer un meilleur contrôle sur la vie démocratique des pays. Et donc l'idée, c'est si on diffuse toutes les données, toutes, quelles qu'elles soient, on peut contrôler ce que font nos gouvernants en notre nom, et ça devrait assainir la société. Et donc le Wikileaks a été créé un peu là-dessus, sur cette idée que, en diffusant les secrets des États, on pourra gagner en contrôle démocratique. En 2003, on découvre aussi un deuxième effet qu'on appelle l'effet stressant, où Barbara Streisand possède une villa, mais elle n'aimerait pas qu'on le sache, et il se trouve que des paparazzis photographient la fameuse villa et diffusent ça dans un journal. Jusque-là, bah, classique, quoi. Sauf que Barbara Streisand va vouloir porter plainte contre les paparazzis pour dire non, moi je veux pas qu'on diffuse cette photo. Et donc toute la presse va titrer Barbara Streisand ne veut pas que vous regardiez cette photo avec la copie de la photo. Et donc ça a donné le nom de Barbara Streisand a donné le nom à l'effet stressant qui dit que plus vous voulez empêcher la diffusion d'une information, en fait, plus vous allez renforcer cette information et sa présence dans le cyberespace. Et donc en fait, ça fait l'effet inverse. C'est un peu un paradoxe du cyberespace. Enfin, plus vous voulez empêcher une information, plus elle va se diffuser. Et donc Wikileaks a bénéficié de cet effet-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les informations sont diffusées sur Wikileaks, et que le gouvernement dit on veut faire une action contre Wikileaks, bah, à partir de ce moment-là, il y a plein de clones qui s'ouvrent partout, des miroirs, ce qui fait qu'en fait, il devient quasiment impossible d'empêcher la diffusion. Donc bon, Assange, alors c'est fondé par Assange, je ne l'ai pas dit, qui va avoir des problèmes du coup, puisque le gouvernement américain ne va pas trop apprécier que ça diffuse des données diplomatiques, etc., puisque je ne sais plus en quelle année ils ont diffusé les câbles diplomatiques des États-Unis, ce qui montrait que les diplomates ne disaient pas publiquement exactement la politique étrangère américaine. Et donc il va être poursuivi. Il s'est réfugié à Londres pendant une paire d'années, et puis il a fini par sortir de sa résidence et être arrêté. Ensuite, il y a un autre changement qui apparaît. Donc là, on quitte un peu le monde philosophique pour rentrer plus sur le réseau en lui-même. Un événement qui va changer pas mal de choses et qui va créer le monde dans lequel on vit maintenant aujourd'hui, c'est l'arrivée des smartphones. Donc 2007, c'est vraiment le tout début, hein, c'est là où Steve Jobs nous montre le premier iPhone. Mais l'idée, c'est que dans les romans de cyberpunk, à l'époque, certains auteurs avaient inventé le concept de personal area network. C'est-à-dire que plutôt qu'un LAN où il y a des ordinateurs à l'échelle d'un bureau ou d'un bâtiment, ce qu'ils appelaient le PAN, c'était le réseau à l'échelle d'un individu. Pour les auteurs de cyberpunk, ils faisaient aucun doute qu'on finirait tous par se balader avec un espèce de routeur intégré à notre vêtement ou à notre équipement qui communiquerait avec notre téléphone et puis que sais-je d'autre. Et là, en 2007, on rend un peu le truc réel, c'est-à-dire qu'on crée un équipement qui est sur tout le monde, qui est connecté à Internet quasiment tout le temps, et qui nous permet, voilà, qui nous branche sur le cyberespace tout le temps. Donc là où avant, vous n'étiez sur le cyberespace que quand vous allumiez votre ordinateur pour regarder, pour naviguer expressément dessus, là, d'un seul coup, Internet vous accompagne partout. C'est comme une espèce de gros cordon ombilical qui vous relie en permanence au cyberespace, et ça change complètement le point de vue que les gens ont sur le réseau. Et ça va avoir plein d'effets délétères dans l'idée où ben, les gens n'arrivent plus à s'en passer, il y a une vraie addiction qui se met en place. Pour beaucoup de gens, le téléphone, c'est comme une cigarette, hein, ils ne savent pas s'empêcher de la sortir, etc. Et il y a des cures de désintoxication qui se font, etc. Et donc ça va vraiment changer parce que tout le monde va être équipé et tout le monde va pouvoir être sur Internet tout le temps. Ça, c'est un gros changement, pas tellement en termes de hacking, mais en termes d'état d'esprit et de population qui vit dans le cyberespace. C'est-à-dire qu'avant 2007, il faut avoir un côté geek pour aller sur Internet. Si vous n'êtes pas geek, vous n'êtes pas vraiment connecté parce qu'il ne s'y passe pas tant de choses que ça. À partir de 2007, c'est dans un téléphone utilisable. Et donc là, n'importe qui peut commencer à rentrer dedans. Et les gros booms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux commencent justement en 2007. Et si on regarde l'utilisation des écrans par la population, elle était en moyenne de 5 à 7 heures par jour avant 2007.
Et à partir de 2007, elle arrive plutôt au niveau de 12 à 15 heures par jour, parce qu'en fait, le téléphone vient se rajouter à ce quota d'heures d'écran. Et ça n'a pas remplacé, ça a vraiment rajouté. En 2009, les bitcoins, je vous l'ai mis là parce que ça va expliquer pas mal de choses qui vont se passer après. Enfin, en tout cas, il y a un regard croisé à avoir. Donc là, je vous ai mis le cours du bitcoin de 2017 jusqu'à assez récemment. Donc l'idée du bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Ça se base sur le fait que c'est toujours cette idée d'anarchisme un peu cyberpunk en mode on veut pouvoir faire nous de notre côté ce que les gouvernements font dans le monde réel. Donc on veut créer un espace réel et donc pour avoir un vrai espace au sens géographique du terme avec une vraie souveraineté, bah, il y a la monnaie. Quelle est la monnaie de chaque pays, etc. Donc typiquement quand l'euro est arrivé, bah, ça a fait pas mal de questions de souveraineté en Europe. Bah, là le bitcoin c'est un peu la même idée, quoi. À partir du moment où on est capable de se mettre d'accord sur une monnaie dans un espace, on commence à avoir une souveraineté locale. Bon, en tout cas, on a plus l'impression que l'espace existe en tant que tel, comme un espace géographique. Donc le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, donc c'est un grand registre qui stocke qui a donné de l'argent à qui, avec pas mal de signatures cryptographiques partout pour prouver que les échanges sont réels. Et puis pour être sûr qu'il y ait un consensus au niveau de quelle transaction est la transaction officielle, il y a une preuve de travail qui est faite. Je vous ai graphé aussi en orange l'Ethereum pour montrer que globalement ils se suivent un peu l'un l'autre. C'est-à-dire quand l'un monte, l'autre monte aussi. L'Ethereum est passé il y a quelques mois en mode preuve d'enjeu et pas en preuve de calcul, ce qui est beaucoup plus écologique puisque ça consomme beaucoup moins d'énergie. Ce que j'aimerais que vous voyez dans le schéma, en fait, c'est que à peu près en 2017 par ici, donc je ne sais pas si on voit ma souris bouger en même temps, en tout cas en 2007, il y a un premier pic du Bitcoin qui monte, puis ça redescendra un petit peu. Et après, ça va remonter une deuxième fois entre 2019 et 2020. Et puis ensuite, ça remontera. Mais en tout cas, je voudrais que vous voyez ces deux pics-là, donc fin 2017, début 2018. Et puis un autre pic entre 2019 et 2020. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous les montre. Ça éclaire certains autres événements qui ont eu lieu en parallèle. Donc, je vous parlais d'organisation des gens les uns avec les autres. À cette même époque-là, le cyberespace revient un peu, d'une certaine manière, vers le monde réel. C'est-à-dire que dans les années 90, c'était les gens du monde réel qui s'échappaient dans le cyberespace pour se retrouver. Et petit à petit, il y a une espèce de mouvement de reflux qui s'est fait. Donc, le mouvement de reflux, il date déjà à peu près en même temps, mais disons qu'il a été très, très marqué dans ces années-là, puisque la notion de Fab Lab est enfin, elle est plus normalisée, si vous voulez. Il y avait déjà des Fab Labs avant, c'est-à-dire des groupes avec des makers, on appelle, enfin c'est des hackers makers, c'est-à-dire que le but là, c'est plus tellement de pirater les serveurs à distance et autres, mais c'est plutôt d'utiliser l'informatique pour créer des choses dans le monde réel. Donc ils se retrouvent, ils discutent entre eux, il y a la pression 3D qui arrive, etc. Et puis ils se disent, plutôt qu'être chacun dans son garage à soi, pourquoi pas faire un garage communautaire avec toutes les machines et on se partagerait les ressources. Donc les Fab Labs commencent à se créer un peu partout. Le premier en France, c'est Artilec en 2009. Mais par exemple, il y avait d'autres choses en parallèle, parce que ça, c'est le terme Fab Lab qui correspond à une norme et une charte, etc. Mais le principe des Fab Labs existait déjà avant. C'était surtout les mondes plus artistiques qui créaient ça. Pour les Rennais, par exemple, il y a les laboratoires qui est au sud de la voie ferrée, côté est de Rennes, où c'est à peu près un Fab Lab aussi, c'est juste que ça n'avait pas le nom. Et à Paris, par exemple, le TMP Lab va ouvrir en 2007. Et le TMP Lab, c'est le premier hackerspace. Donc, en plus de vouloir fabriquer des choses, il y a aussi ce côté où on veut démonter certaines choses pour les améliorer et en faire autre chose. Donc, pour tous les Parisiens, le TMP Lab, c'est un endroit qui vaut la peine d'y aller. Il y a pas mal de beau monde aussi. Ça permet de rencontrer des gens et pas mal de discuter là-dessus. Et donc, ça montre aussi qu'il commence à y avoir une volonté des gens de commencer à créer eux-mêmes leur propre système. Il y a toujours eu un peu cette idée-là, mais là on commence à pouvoir revenir dans le monde réel, quoi. C'est-à-dire, avant les Fab Labs, les gens faisaient leur propre programme, on développait des logiciels, des sites web, etc. Mais avec les Fab Labs, on peut aller un cran plus loin et créer des objets, des prothèses. Pas mal de monde font des prothèses en fait, parce que les prothèses médicales coûtent très très cher, et alors qu'en réalité, il n'y a pas énorme de choses dedans. Et donc, on peut commencer à créer des vrais objets en revenant vers le monde. C'est aussi le moment où on crée l'Agence nationale de sécurité et système d'information, l'ANSSI. Avant l'ANSSI, il y avait eu des choses, hein. Il y avait des directions générales de sécurité un peu partout. Enfin, il y avait plusieurs directions au niveau de l'armée, du ministère de l'Intérieur, etc. Mais chaque direction avait un peu son périmètre à elle, avec
ses propres personnels, ses propres enjeux, ses propres priorités. Et là, en 2009, on centralise un peu tout ça et on crée une agence autonome et qui prend enfin en compte l'enjeu cyber, mais en tant que tel, quoi. Ce n'est plus une pièce rapportée dans une direction annexe, c'est vraiment un sujet à part entière. Historiquement, en France, l'ANSSI, au moment où elle a été créée, bah, comme je vous dis, on regroupe pas mal d'agences. Sauf que historiquement en France, ces agences-là sont majoritairement peuplées par des cryptographes, donc des matheux, pour qui la sécurité informatique se résume souvent à faire du chiffrement et de la signature. Donc pour eux, dans leur esprit, en tout cas, dans un peu l'inconscient collectif de ces agences-là, l'idée c'est que tout se réduit à la crypto, et donc faire un logiciel quelque part, c'est un petit peu. C'est presque vulgaire en fait pour eux de faire un logiciel, de faire un ordinateur, etc. Ils sont très dans la théorie, etc. Donc pour eux, les vulnérabilités matérielles, les vulnérabilités logicielles, c'est pas quelque chose sur lequel ils sont réceptifs. Il faudra attendre plusieurs années pour que ça soit réceptif. Mais en tout cas, il y a une grosse culture mathématique en France, en fait. Typiquement, si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'enseignement, si vous voulez à l'époque enseigner l'informatique au niveau supérieur, il fallait passer une agrégation de mathématiques avec une option informatique, mais c'était mathématiques l'agrégation hein, qu'il fallait passer. Donc il fallait un super bagage en mathématiques pour faire de l'informatique en termes d'enseignement. Et donc au niveau de l'ANSSI, on a cette culture française-là de la sécurité, c'est des maths, et donc beaucoup de cryptographes qui gèrent tout ça. En parallèle, en parlant des groupes qui se créent, Rootme, c'est 2010. Des sites de challenge, en fait, ça a existé à peu près tout le temps, mais la mouvance de regrouper les sites de challenge, en fait, elle prend. C'est les années 2000. Hein. Typiquement, Nubi Contest, c'est 2004, je crois, ou 2014, j'ai un doute. Non, 2004, c'est Nubi Center, et Nubi Contest a été renommé ensuite. Et donc, Rootme, en fait partie de toute cette mouvance de créer de centraliser les challenges de sécurité informatique. Avec chaque site qui a un petit peu son état d'esprit, quoi. Nubi Center et Nubi Contest, ça a un gros côté potache. On va pas se mentir, le but c'est surtout de s'amuser et de faire du fun avec des challenges. Là où Rootme, dès le début, a voulu montrer un côté sérieux et professionnel, en fait. Dans Rootme, la volonté a toujours été de faire quelque chose qui puisse parler aux recruteurs, typiquement. Dès les débuts, les gens qui ont un compte sur Rootme l'ont assez rapidement mis sur leur CV pour postuler un peu partout, là où d'autres sites de challenge sont moins connus des recruteurs, mais Rootme a réussi à s'imposer là-dedans, c'est un peu la marque de fabrique, et typiquement en 2019, on passe à une annexe de Rootme qui est Rootme Pro, qui propose carrément des services pour les entreprises. C'est une marque de fabrique de Rootme qui est spécifique, et c'est ces années-là, quoi, 2010, Rootme et les autres ont été un petit peu autour. Ils popent régulièrement des nouveaux sites de challenge. Mais rien dans cette envergure-là en France. En tout cas. Et donc, je vous disais que l'ANSSI avait été fondée par des matheux et qu'il y avait des sites de challenge. Et donc, tout ça ensemble, en fait, fait que d'un côté, on a l'ANSSI qui se dit, en fait, qui prennent enfin conscience que on n'a pas les compétences forcément en interne pour cette partie logiciel, hardware, assembleur, etc., puisque nous, on fait surtout des maths. Et en parallèle, il y a la communauté cyber qui commence tout doucement à s'organiser autour des sites de challenge. C'est-à-dire que plutôt que pirater des sites, etc., ou de pirater des vrais logiciels, où légalement c'est toujours un peu borderline, on fait des challenges. Et donc l'ANSSI prend aussi ce pli-là, et en 2012, ils ont publié un challenge. Donc l'icône que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, qui servait de logo et de fond d'écran publié officiel par l'ANSSI, en fait, en 2012, ils ont caché du code, donc c'est en stéganographiant dedans. Et donc, il y a de l'exa un peu partout. Donc, ils ont fait ça. Ils n'ont rien dit à personne. Ils ont juste fait ça. Donc, les gens ont commencé à détecter qu'il y a un challenge. Ça en a beaucoup parlé. Les gens ont essayé de le résoudre. Et au final, ça a été résolu en 2014. Donc, il a fallu 2 ans pour que les gens le résolvent. Parce que, entre autres, une partie de l'exa qui est donnée là, c'est l'image virtuelle d'un téléphone dans lequel il y a des binaires à lancer. Enfin, ça, c'est vraiment une poupée russe très très complexe à démonter. Donc voilà. Donc depuis à peu près cette époque-là, l'ANSSI a commencé à tout doucement évoluer et revenir un petit peu vers l'informatique. Il y a toujours un bon background de matheux, mais disons que au moins maintenant l'ANSSI prend beaucoup plus en compte le côté informatique. Et depuis aussi le côté humain, mais il y a vraiment eu un changement. Pour moi, en 2012, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, en tout cas.
À peu près dans les mêmes moments, on a Hacking Paris, donc c'est ce que je vous disais hier, on a le Hacker's Voice, qui est un magazine papier à la base, qui finit par créer Hacking Paris, non, qui est créé par la Nuit du Hack à Paris, qui est plutôt une convention avec des challenges, etc. Et puis en 2011, ils vont plus loin et ils créent une deuxième conférence en parallèle, Hacking Paris, qui est plus orientée pour les entreprises et le business. Et donc là, on commence à avoir un peu le pendant du DEFCON Black Hat américain. Ben là, on a le Hacking Paris et le Hack qui se créent avec justement ces deux pendants, où on essaye de faire le lien entre l'underground, d'une certaine manière, qui aime les écrans à fond noir et les challenges un peu la nuit, et le monde des entreprises qui essayent de vendre des solutions à des clients. On essaie de regrouper un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc c'est une évolution qui se fait petit à petit, hein. C'est pour ça que quand vous croisez, enfin pour les plus jeunes, quand vous croisez des anciens qui vous disent c'était pas pareil avant, bah oui. Il y a 15 ans, la nuit du hack s'appelait nuit du hack déjà, et il n'y avait pas forcément cette partie professionnelle qui était si présente que ça. C'est des évolutions qui sont bonnes, hein, au final. Ça permet de donner des nouveaux souffles, de nouveau ces événements-là. Ce qui se passe aussi dans ces années-là, c'est une espèce de, comment dire, le hacking a toujours une portée un petit peu internationale, mais c'était vraiment fait très confidentiellement, en fait. Les services secrets, etc., qui voulaient faire des choses, on n'avait pas vraiment de remous dans la vie réelle. Et en 2010, en fait, il y a le. On suppose, avec un faisceau de preuves assez gros quand même, que les Israéliens, aidés par les Américains, créent un ver qui s'appelle Stuxnet et qui cible spécifiquement certaines infrastructures, dont comment dire, les centrifugeuses utilisées par le programme nucléaire iranien. Et donc, le problème qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que le fameux ver, en fait, s'est propagé dans les stations iraniennes, hein, pas de souci. Mais étant donné que le logiciel, enfin le matériel était du matériel allemand, ça s'est aussi propagé dans certaines structures en Allemagne et dans le reste du monde. Donc en fait, il y a eu des effets de bord à peu près partout. Et donc pas mal de monde ont commencé à découvrir ce ver-là qui pourrissait un peu la vie de tous ces centres. Et puis les expériences sécu ont commencé à regarder ce qu'il y avait dedans. On a commencé à voir que c'était en lien avec les Iraniens, enfin avec les Israéliens et les Américains. Et en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de prise de conscience du public et de la communauté de. On savait en théorie que les États-Unis, les Russes, etc., pouvaient utiliser le cyberespace comme un endroit pour se faire la guerre d'une certaine manière. Mais c'était quelque chose qui était encore très théorique, quoi. Les gens le savaient, intellectuellement on le savait, mais on ne l'avait pas encore ressenti pour du vrai. Et là, en 2010, il y a une prise de conscience de se dire ça arrive vraiment, quoi. C'est pas juste une théorie. Il y a vraiment des gens qui font des choses, il y a vraiment des actions qui se font au niveau des États où il y a des gros enjeux qui se jouent là-dedans. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des forces disponibles sur le terrain. La France va mettre du temps parce que la réserve de cyberdéfense et le Comcyber vont être mis en place beaucoup plus tard. Mais disons qu'on a déjà l'ANSSI qui commence à jouer là-dessus. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience de tout ça, c'est pas juste des blagues, c'est pas des histoires qu'on se raconte pour se faire peur. Il y a vraiment des pays qui utilisent le cyberespace pour se pourrir les uns les autres. Au point où, quelques années plus tard, Snowden fait ce qu'on appelle ses révélations, où c'est un ancien agent de la CIA qui va dire au monde, vous vous doutiez bien que la CIA avait des moyens cryptographiques intéressants. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en fait, la CIA a aussi inséré des portes dérobées dans certains algorithmes. Alors, ça s'est toujours fait, hein, par exemple, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, quand les Anglais avaient cassé la machine Enigma, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les entreprises de sécurité en Angleterre, c'est possible qu'il ait bossé à la NSA aussi. Alors là, franchement, j'ai un gros doute. Vous mettez le doute, au pire, vous chercherez NSA ou CIA. Non, ça doit être la CIA, lui. Et donc, je disais quoi? Oui, les Anglais qui cassent la machine Enigma, en fait, ils savent qu'elle est cassée, puisqu'ils ont réussi à la CIA à la casser. Et en fait, ils vont continuer à la vendre à d'autres pays. Pour que ces pays-là utilisent la machine Enigma en pensant être sûrs, mais en réalité, il y a une backdoor dedans, si vous voulez, puisque les Anglais sont capables de casser Enigma. Donc c'est connu que les services secrets, en fait, quand ils vous disent qu'un algorithme de chiffrement est bon, une chance sur deux qu'il puisse passer à travers. Et là, on avait plus ou moins oublié cette histoire, si vous voulez. On s'était dit, bon, bah maintenant que les algorithmes cryptographiques, ils sont mis en place par la communauté internationale de chercheurs.
qu'on a le NIST, qui est l'équivalent de l'organisme des poids et mesures aux États-Unis, mais qui est une branche qui s'occupe de normaliser la crypto. On s'est dit, vu que c'est un organisme indépendant qui normalise la crypto, il y a des chances que ce soit bon. Et en fait, à ce moment-là, on découvre que ben non, en fait, la CIA a des billes au NIST. Et quand le NIST a voulu publier certains algorithmes, la NSA leur a dit, changez tel et tel paramètre avec ces valeurs-là, parce qu'en fait, derrière nous, on a des matheux qui nous ont prouvé que quand on met ces paramètres-là, l'ensemble des clés possibles est beaucoup plus petit que prévu, et donc ça nous permet d'accélérer nos calculs. Et donc ça aussi, c'est une claque, dans le sens où les gens avaient un peu oublié ces possibilités-là, elles étaient restées théoriques, et là, en fait, ben non, c'est pas que théorique, c'est pas que des blagues, ça existe vraiment. Et au point que ça a créé un espèce de nouveau mouvement au sein de la communauté crypto, qu'on a beaucoup reconnu dans la partie courbe elliptique, où quand vous faites de la cryptographie sur courbe elliptique, vous devez choisir des paramètres pour définir votre courbe sur laquelle vous allez faire vos calculs. Et il y a des propriétés mathématiques dedans qui font que si vous choisissez certains paramètres pour la courbe elliptique, l'ensemble des clés possibles est beaucoup plus petit, ou en tout cas il y a des raccourcis au niveau calculatoire qu'on peut faire. Mais on ne sait pas, enfin on sait que certaines courbes sont plus faibles que d'autres. On ne sait pas encore exactement générer automatiquement des courbes faibles ou des pas faibles, mais ce qu'on s'est dit, c'est que si un organisme vous dit utiliser tel paramètre, cela et pas un autre, eh ben les gens se sont mis à douter. Et donc le NIST, quand ils ont publié les premiers algorithmes de courbes elliptiques, ils ont proposé des courbes, et la communauté crypto a dit, bah, du coup, on ne les utilisera pas. Parce que comme Snowden nous a dit qu'il y avait des chances que la NSA ou la CIA vous demandent certains paramètres, bon, on ne les prendra pas. Ce qui fait que maintenant, quand vous voulez proposer une courbe, l'usage chez les cryptographes veut qu'en fait vous preniez un mot, vous passiez dans une moulinette crypto type MD5, SHA-1, SHA-256, n'importe laquelle, et que ce soit la sortie de cet output-là, enfin de cet algorithme-là, qui serve de paramètre d'entrée. Avec l'idée que si on a utilisé, c'est un peu comme si on jetait les paramètres au dé, c'est de se dire, pour trouver des paramètres qui sont complètement pourris avec des courbes complètement faibles, en ayant utilisé une fonction comme du SHA-512, etc., avec un mot genre un mot classique, il faut vraiment avoir du bol. Donc maintenant, quand vous voulez proposer un algorithme crypto, il faut un peu prouver que les paramètres, vous les avez générés de manière honnête. Et la façon de le faire en monde crypto, souvent, c'est de faire un tirage aléatoire. Mais pour prouver que votre tirage est aléatoire, enfin que votre tirage est aléatoire, souvent on utilise les fonctions de hachage. Donc ces services de divulgation de Snowden-là ont eu un impact dans la presse d'un côté pour le côté ben, l'espionnage de masse, etc. C'est pas des blagues. Parce que on connaissait le projet Echelon, etc. Hein, mais là, on voit que ça va à une étape après. Et dans la communauté crypto aussi, où les chercheurs commencent à se dire, ah ben mince, alors il ne faut plus prendre pour argent comptant ce que la NST vous dit. Ce qui va nous amener à une deuxième phase, c'est-à-dire que là, c'était la phase un peu, les grosses industries, les États, etc. viennent, on commence à enfin placer les bons Web3. On va placer les billes. Et là, le Web 3.0, pareil, hein, c'est comme le Web 2. C'est-à-dire qu'on a donné ce nom-là à quelque chose au moment où ça se casse un peu la gueule. C'est-à-dire que le Web 3.0, c'est quelque chose qui tourne ça fait 2-3 ans que ça tourne. C'est du web distribué, mais la réalité du web, c'est que ça a été distribué depuis la conception, quoi. Un serveur email, c'est distribué. Le DNS, il est distribué. L'architecture web HTTP, elle est distribuée. Donc le fait que ce soit distribué, ça l'est depuis le début. Mais depuis 2010-2015, on a un espèce d'essoufflement des boîtes sur Internet. Et donc, on crée un terme, Web 3.0, pour essayer de relancer la machine. Et on essaye d'y faire rentrer tout n'importe quoi, comme les crypto-monnaies ou le IPFS ou des choses comme ça. Mais Web 3.0, en fait, décrit mieux la phase qui est avant, qui est l'idée qu'il y a du web partout. Et le web partout, ce n'est pas typique de 2017 ou 2018, c'est vraiment typique, c'est plus vieux que ça. Moi, j'ai tendance à remonter dans les années 2010-2012, où à ce moment-là, certaines boîtes de hardware commencent à produire des cartes un peu plus standards et qui puissent être utilisées par tout le monde. C'est-à-dire que avant cette époque-là, encore une fois, si vous vouliez faire votre propre système avec une carte, comment dire, avec du silicium, bah, il fallait contacter un graveur pour faire votre puce, pour faire votre carte. STMicroelectronics, par exemple, en France, ils ont des bureaux à Grenoble. Donc à Grenoble, il y a une grosse, grosse communauté sur la partie hardware là-dessus. Mais il fallait que vous contactiez ces industriels-là avec votre schéma, etc., pour le faire imprimer, etc. Ça coûtait de l'argent.
Si votre schéma n'était pas bon, il fallait en refaire un deuxième, etc. Donc, c'était assez lourd, en fait, comme processus de créer sa propre carte. Sauf qu'en 2010-2012, on crée les Arduino. Donc, l'Arduino, c'est une carte qui est déjà préfaite, plus petite, où vous mettez des extensions en fonction de ce que vous avez besoin. Et en 2012, on a les Raspberry Pi, où on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire que le matériel est tellement standard que vous pouvez y faire tourner un Linux classique dessus. Et plutôt que de devoir coder en mode embarqué, en assembleur ou en C, ben là, vous pouvez carrément coder en Python. Et là, ça change tout parce que il n'y a plus besoin d'avoir des compétences d'électronicien de ouf, il n'y a plus besoin d'avoir des compétences en embarqué système de ouf. Vous achetez un Raspberry Pi, vous savez coder en Python, ben hop, ça y est, vous pouvez déjà commencer à faire des choses. Le Raspberry Pi, il a des ports réseau, des ports USB, des ports. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. C'est une vraie révolution parce que ça permet justement au Fab Lab d'avoir un vrai élan à ce moment-là, puisque tous les passionnés d'embarqué peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça va d'un écran avec des LED qui affichent l'heure, ça va de la domotique. À ce moment-là, les gens commencent à brancher leur Raspberry à tout et n'importe quoi. J'ai vu des tests de hacking de machine à pain là-dessus, où les gars ils branchent un Raspberry Pi sur les boutons de la machine à pain pour envoyer leur propre commande. Enfin, on commence à pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement qu'avant. Il n'y a plus forcément besoin de sortir le fer à souder. Et ça change pas mal la donne. Mais du coup, c'est aussi une période où on a de l'informatique partout. Au point où, en 2015, ça fait un peu la une des journaux, il y a deux chercheurs en sécurité, donc Charlie Miller et Chris Valasek, qui contactent des journalistes de Wired pour leur montrer, bah, les gars, on a réussi à pirater une Jeep, l'air de rien. Et donc, ils mettent un journaliste dans la voiture, le journaliste conduit, etc. Puis en plein milieu de l'autoroute, ben, il commence à avoir le son qui se met et qui s'éteint, la climatisation, et puis bizarrement, la pédale d'accélérateur qui reste bloquée, etc. Et donc, ça permet d'impressionner le journaliste en lui montrant que, voilà, nous, à distance, avec une connexion Internet sans fil, puisque la voiture, elle est connectée au réseau sans fil, on arrive à pirater votre voiture. Quelque chose où, normalement, ça ne devrait pas arriver, je veux dire. À quel moment l'accélérateur de la voiture est censé être connecté au réseau Internet mondial? Ben en fait, il se trouve que le système comment dire, de entertainment system dans les voitures, ben en fait, il y avait un pont avec le système de pilotage, ce qui fait qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Et du coup, les gens commencent à se rendre compte que, tiens, en fait, alors les chercheurs en sécurité, ça faisait un moment qu'ils travaillaient là-dessus, hein, c'est pas en 2015 qu'on découvre le problème, mais c'est en 2015, si vous voulez, que les gens commencent à se rendre compte que, mince, tous nos objets connectés, ben en fait, ils peuvent être vulnérables. Donc là, typiquement 2015, il y a une voiture. Mais la même année, on a les avions, où Chris Roberts, qui est un autre chercheur en sécurité informatique, s'amusait à tweeter, pendant qu'il était en vol, le fait qu'il était en train de régler la puissance d'un réacteur ou qu'il était en train d'avoir accès à certains instruments, etc. Donc forcément, quand l'avion atterrit, le FBI l'arrête pour lui poser quelques questions. Donc pareil, hein, 2015, c'est pas le moment où ça a été découvert comme si ça n'existait pas avant. Le problème, on le connaissait depuis 2008, puisque le Boeing 787 avait déjà des vulnérabilités là-dessus. Mais disons qu'en 2015, ça commence à vraiment faire du bruit dans une voiture, un avion, et puis des Barbies aussi. Donc c'est pas forcément le plus important, mais disons que ça touche les gens, quoi. Les gens se disent. Des voitures, on en utilise souvent, des avions aussi, les jouets, typiquement les Barbies. Là, l'idée, c'était que la Barbie avait un micro pour pouvoir écouter ce que les enfants disent, l'envoyer sur un serveur, faire de la réponse vocale automatique pour répondre aux enfants. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, le truc Bluetooth de la Barbie, en fait, il fonctionne à 15 mètres, et donc quelqu'un qui a 15 mètres de la Barbie peut se connecter dessus, écouter les enfants et leur répondre n'importe quoi. Voilà, creepy de ouf. En 2015, il y a le piratage de VTech aussi, qui est une entreprise de jouets où il y a à peu près les coordonnées de 200 000 enfants qui partent pas dans la nature. Hein. Le chercheur a promis qu'il ne les avait pas vendus, mais disons que ça commence à montrer que, bah, en fait, tout ça, à force de mettre de l'informatique partout, l'air de rien, on est en train de se lier à tout ça. Et si on peut faire du piratage d'un ordinateur classique, bah, on peut aussi pirater des Barbies. J'ai vu un article, une conférence au STIC où une jeune femme chercheuse en sécurité s'était amusé à pirater une brosse à dents. Et donc, pareil, que la connexion Bluetooth, elle accélérait, elle réduisait la vitesse de la brosse à dents. Donc, l'impact n'est pas énormissime, mais ça montre que, en fait, tous ces objets connectés-là, en fait, en termes de sécurité, c'était le Far West, quoi. En 2017, par exemple, il y a une autre sorte de poupée qui a carrément été interdite en Allemagne parce que les Allemands se sont dit non, non, cette poupée qui écoute et qui répond,
C'est de l'espionnage organisé, etc. Il y a des problèmes sur les alarmes aussi, les alarmes qui étaient connectées par Internet, où en fait, il y a plusieurs comptes qui sont configurés par défaut, et donc un hacker qui fait un scan de port qui va bien, récupère les versions des logiciels, et hop, c'est introduit dans les alarmes, et donc on peut commencer à parler dans la maison. Donc, les gens, ils s'abonnent à un service de sécurité, ils se font réveiller à minuit et demi par une voix un peu bizarre dans leur maison. Les caméras de sécurité qu'on a déployées en masse, etc., qui étaient également connectées sur le réseau IP. Donc il y a eu des sites web qui se sont publiés pour qu'on puisse accéder à ces caméras-là et jouer, mais ça a été au point où en fait en 2016, on commence à avoir des énormes dénis de services distribués. Donc je vous avais dit quand dans les années 98, par là, on commençait à avoir des premiers dénis de services, mais en 98, le déni de service, c'était une unique personne qui envoyait enfin, quelques requêtes à un serveur pour le faire tomber. Petit à petit, on a commencé à découvrir certaines techniques de DNS distribué. On a commencé à découvrir des techniques de rebond pour générer plus de trafic. Donc, par exemple, vous envoyez une requête DNS à un serveur, mais en vous faisant passer pour la victime. Comme ça, le serveur DNS répond à la victime. L'intérêt étant que votre requête est petite par rapport à la réponse du serveur, ce qui fait que le serveur sert de caisse de résonance. Et donc, petit à petit, on crée, et il y a tellement d'objets connectés que ça commence à valoir la peine de faire un botnet sous Linux. Et donc ce fameux botnet-là, le virus s'appelle Mirai, et il infecte plein 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 de logiciels embarqués partout. Et en 2016, un opérateur d'un de ces botnets décide de faire un déni de service distribué sur l'infrastructure DNS de DynDNS. Et donc pendant à peu près une dizaine d'heures, le service DNS ne sera pas disponible pour cette entreprise-là. Mais le problème, c'est que dans ses clients, il y a des gens comme Twitter, eBay, Netflix, GitHub, PayPal. Et quand ces entreprises-là ne sont pas disponibles pendant une dizaine d'heures, bah ça se voit. C'est-à-dire que la population ne peut pas faire semblant de rien avoir vu. Il y a eu des tentatives de déni de service sur l'infrastructure DNS qui avaient été faites avant, mais quand on cible l'infrastructure DNS classique, on va dire, bah elle est conçue pour être répartie. Donc en fait, elle supporte enfin, à peu près toutes les attaques qu'on a menées contre le DNS pur. On l'a limite pas vue. Mais là, on a ciblé un fournisseur de DNS. Donc en fait, tous les autres noms de domaine qui étaient faits par les autres opérateurs fonctionnaient très bien. Il n'y a eu que ceux de DynDNS qui n'ont pas réussi à fonctionner. Mais dedans, il y en avait des suffisamment gros pour que ça se voit. La même année, OVH a fait une communication sur le fait qu'ils avaient réussi à stopper un déni de service à 1 teraoctet. Je pense que le but, c'était d'être un peu marketing pour faire un petit peu un pied de nez à DynDNS, puisque c'était la même année. Mais pour vous donner une idée, chez OVH, ils estiment à 145 000 objets connectés qui auraient été utilisés pour envoyer des déni de service. Faut imaginer aussi que du coup, à l'époque, le hacking en termes de mafia, on va dire, il y en a relativement peu, et les rares fois où il y en a, c'est plutôt on menace quelqu'un de faire un déni de service sur son site, et s'il nous paye, on ne fera pas le déni de service. Donc typiquement celui d'OVH, c'était un serveur Minecraft, où les pirates avaient dit aux administrateurs du serveur Minecraft: soit tu nous payes une assurance chez nous, soit on te fait un DOS. Donc ils ont voulu lancer le DOS, et puis ben, en fait ça n'a pas marché cette fois-là. Parce que sur certains serveurs Minecraft, il y avait de la monétisation, donc les pirates s'étaient dit ben, tu nous verses un pourcentage. Mais disons qu'à l'époque, c'était surtout du déni de service qu'on faisait en déni de service distribué, etc. Et c'était un peu le gros gros problème qui était. Les gens devaient faire. Le gros risque à l'époque, c'était les dénis de service. Le reste, on n'en parlait pas trop. Et puis, petit à petit, les choses changent. C'est-à-dire qu'en 2016, il y a un groupe d'infiltrés de la NSA qui diffuse un certain nombre de 0D en disant: voilà, en fait, la NSA, en fait, on découvre régulièrement des vulnérabilités dans des systèmes, Windows par exemple. Et plutôt que de prévenir l'éditeur pour que ce soit corrigé, bah, en fait, on les garde sous le coude pour nous. Tous les gouvernements font ça, hein. En France, il y a eu des projets où l'armée faisait des recherches de vulnérabilité, et quand ces vulnérabilités-là étaient trouvées, les éditeurs n'étaient pas prévenus parce que le but de l'armée, c'était de garder ces exploits-là sous le coude. Donc là, ça arrive aussi, hein, la NSA avait la même chose. Sauf que là, en fait, les gens vont diffuser justement ces exploits-là en vente. Et donc, il ne faut pas très longtemps, en fait, il faut à peine un an pour que les premiers ransomware qu'ils utilisent arrivent sur le marché. Donc, avant cette époque-là, comme je vous disais, c'était surtout du déni de service. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec des exploits qui fonctionnent partout, qui n'ont pas forcément été patchés très rapidement, et qui fonctionnent à distance. Donc on peut enfin revenir dans la danse du hacking un peu à l'ancienne, où on se connecte, on fait une exécution de code sur la machine de la victime.
Et donc, comment on peut valoriser d'un point de vue business ce genre de choses? Bah, le ransomware. Donc, on chiffre le contenu du disque dur et on demande une rançon. Et donc, comme je vous disais, 2017, Eternal Blue avec toutes ces autres versions. Et bizarrement, on a le Bitcoin en même temps. Ce que je vous disais, c'est que le Bitcoin n'a pas forcément. Enfin, c'est un ensemble de plein de choses en même temps, dans le sens où, d'un côté, on a des vulnérabilités qui pop, qui permettent du coup de pirater les systèmes des gens. De l'autre côté, on a une crypto-monnaie qui permet de faire des versements anonymes. Bah, les deux ensemble font qu'il y a une porte d'ouverture pour créer un nouveau type de menace qui est le ransomware. Sans le Bitcoin, sans ces vulnérabilités-là, on aurait pu encore attendre une paire d'années avant de tomber sur des ransomware parce que bah, pour faire un paiement, bah, sans les Bitcoins, c'est un peu plus compliqué de rester anonyme. Et donc, bon, ces ransomware-là, c'est la première génération, hein. C'est pas les plus compétents du marché qui les ont fait. Il y a eu certains où la clé était codée en dur, d'autres c'était la même clé chez toutes les victimes, etc. Donc il y a eu des techniques pour pouvoir pour déchiffrer les fichiers. Et c'est petit à petit, on va voir que ça va s'améliorer. Mais il y a eu un deuxième effet en fait à la même époque, c'est-à-dire qu'au début on s'est dit on va tout chiffrer. Et puis en 2016-2018, l'Union européenne se dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce qu'en 2015, si vous vous souvenez, on a toutes ces poupées, etc., qui récupèrent des données. On ne sait pas trop où ça va. On a le Snowden qui commence à dire, vous savez, l'NSA, ça espionne quand même pas mal de choses. On a le problème du spam. On a les réseaux sociaux qui commencent à faire beaucoup plus de publicité ciblée, etc. Donc tout doucement, le problème de la vie privée commence à prendre une ampleur qui nécessite une action. Et donc l'Europe décide de légiférer et de proposer un règlement qui dit en gros, les données personnelles des gens, c'est important, vous ne les prenez pas sans leur demander la permission. Et s'il y a un problème, et c'est là le point qui va changer tout après, c'est que s'il y a un problème, c'est de votre faute, et vous seriez punissable d'une amende jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas 2% des bénéfices, c'est du chiffre d'affaires. Donc ça peut vraiment faire des très grosses sommes. Et ça va avoir un deuxième effet qui se coule sur les ransomware, parce que en plus de pourrir les données, c'est-à-dire qu'au début du ransomware, les gens se sont fait avoir, et puis petit à petit, ils se sont dit, c'est pas grave, on va mettre en place des backups. Comme ça, si on se fait un ransomware sur le PC, bah, on a perdu les données du ransomware, mais c'est pas grave, on a une sauvegarde, on peut la remonter. Avec le RGPD, les hackers vont utiliser une deuxième méthode qui est l'extorsion et la diffusion. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on a vos données, mais nous, on a aussi une version en clair, et si vous ne nous payez pas la rançon, on va la diffuser sur Internet. Ce qui fait que du coup, au niveau du RGPD, vous seriez pénalement responsable, et les différentes CNIL européennes pourront vous mettre une amende de 2% du chiffre d'affaires, puisque vous n'avez pas réussi à sécuriser vos données. Et donc là, il y a un deuxième effet qui se coule qui fait que les ransomware, à partir de 2018, là, ils ont vraiment récupéré un second souffle. Et tout met au bout l'un de l'autre. On arrive à peu près en 2019, comme je vous ai dit, le deuxième bond du Bitcoin, avec le ransomware Maz, où là, on a vraiment une industrialisation du ransomware qui avait été jamais vue jusque-là. C'est-à-dire qu'on a une professionnalisation des gens qui créent ces logiciels-là, avec des systèmes de couches où il y a ceux qui vont récupérer les accès en faisant du phishing, qui vont vendre ces accès-là à ceux qui vont commencer à explorer le réseau, qui vont ensuite vendre ces accès-là à ceux qui vont négocier les rançons. Et quand vous avez un ransomware qui arrive chez vous, il y a carrément une ligne de. Il y a un service après-vente, quoi. Vous pouvez contacter les pirates, vous pouvez commencer à négocier. C'est vraiment comme une entreprise. Vous pouvez demander un paiement en trois fois. Vous pouvez demander les. Comment dire? Alors, paiement trois fois, je ne pense pas, parce qu'ils vont les diffuser que la troisième fois, mais il y a une vraie relation presque commerciale, en fait, parce que ça prend une vraie, vraie grosse ampleur. Et si vous vous souvenez, à ce moment-là, le Bitcoin remonte encore un peu, entre autres parce que bah, ça crée une demande, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises et de collectivités qui se font pirater avec un rançonneur à l'intérieur, beaucoup veulent payer les rançons, et pour ça, bah, il faut acheter du Bitcoin, et bah, ça rajoute une demande au niveau du Bitcoin qui permet une montée du prix. Donc on arrive de plus en plus à l'époque moderne. Hein, donc là, on est, pour moi, le Covid-19, c'est un événement pas marquant en lui-même, mais qui va changer légèrement l'ambiance. C'est-à-dire qu'avant le Covid-19, on a, comment dire, une humanité, un cyberespace qui est globalement calme, on va dire. Il y a du ransomware, il y a du déni de service, mais ça va pas trop. Enfin, ça va globalement bien. Et en 2020, en fait, le Covid-19, ça va mettre une tension sur le système informatique. On ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'au moment où le Covid commence à se diffuser et que les pouvoirs publics se disent qu'il faut qu'on réduise la diffusion du virus, il y a des mesures de quarantaine qui sont prises. Donc chacun reste chez soi. Mais
pour des raisons économiques, on veut quand même que les gens travaillent et donc on impose le télétravail. Sauf que quand on impose le télétravail dans une entreprise de manière comment dire, cohérente entre les délégués du personnel, les RH, l'informatique, etc., bah, ça se fait petit à petit, on fait des tests, etc. Alors que là, on imposait le télétravail en à peine quelques jours. Et en quelques jours, du coup, tout le monde se retrouve en télétravail et les admins doivent gérer une quantité de demandes énorme de gens qui ont du mal avec les accès. Et donc, sous la pression, parce qu'il faut aller vite, ben on commence à ouvrir des ports, on commence à ouvrir des RDP. Et donc, il y a plein d'accès qui avant n'étaient pas accessibles à l'extérieur, qui deviennent accessibles à l'extérieur et qui ouvrent des nouvelles portes d'entrée pour ces ransomware-là. Donc, ça, ne serait-ce que pour rentrer, c'est beaucoup plus facile. Et une fois que les ransomware rentrent, ben même si les systèmes de détection commencent à lever quelques alarmes, en fait, il y a tellement de problèmes informatiques de base qu'en fait, les administrateurs n'ont pas toujours le temps et l'énergie d'aller gérer ces alertes-là. Ce qui fait que les attaques sont beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de succès qu'avant 2020 parce que les administrateurs système et réseau sont sous la vague complètement. La presse a beaucoup parlé des hôpitaux pendant cette période-là en se demandant si les hôpitaux étaient une cible privilégiée des pirates. La réalité, c'est qu'en fait, les hôpitaux étaient sous une tension de dingue et donc les gens, que ce soit les usagers qui étaient sous pression, faisaient moins attention à leur sécurité informatique et donc étaient plus susceptibles de cliquer sur des liens. Et en face, les systèmes informatiques, comment dire, les services informatiques étaient submergés aussi. Et donc là, on commence à en voir un petit peu le bout du Covid, mais disons que ça a un peu changé, ça a mis une grosse, grosse pression sur les structures qui fait qu'il y a eu une grosse, grosse recrudescence de ransomware à ce moment-là. Je pense qu'un des pics de Bitcoin en 2020-2021 est entre autres dû à ça. À la même époque aussi, une autre prise de conscience des gens, SolarWind. Alors, SolarWind, c'est un éditeur de logiciels et de solutions de monitoring. En gros, ils ont un logiciel qui va surveiller un parc informatique et qui va permettre de savoir quelles machines sont surutilisées ou pas, où est-ce qu'il y a besoin de mettre plus ou moins de charges, est-ce qu'il y a besoin de mettre des. Oui, les hôpitaux aussi sont notoirement sous-dotés en personnel informatique. Pas qu'en personnel, parfois c'est carrément en moyen, ils ont parfois des vieux systèmes, etc. Donc c'est tout un ensemble, quoi. Mais je pense que le Covid a rajouté quelque chose qui fait que les ransomware. Si on a vu beaucoup de ransomware à partir de ce moment-là et qu'il n'y en avait pas avant, le Covid y est pour quelque chose. Mais effectivement, voilà, c'est une cible qui de base est un peu malade et on lui fait courir, elle a plus de poumons. Donc SolarWinds, c'est une entreprise qui fait un logiciel de supervision de parc informatique. Et dans ses clients, il y a plusieurs ministères aux États-Unis, sécurité intérieure, la justice, ce genre de choses. Et en 2020, on découvre que un de leurs logiciels qui fait du monitoring embarque une porte dérobée qui permet à des pirates à l'extérieur de pouvoir prendre la main complètement sur leur logiciel. Donc déjà, on se dit, tiens, c'est bizarre que ce genre de logiciel ait ça. Et comme c'est utilisé par plein de ministères, bah, c'est quand même grave, parce que du coup, c'est-à-dire que des pirates à l'extérieur peuvent avoir accès à des machines à l'intérieur des ministères. Et on commence à creuser. Et on se rend compte qu'en fait, la backdoor n'est pas installée par SolarWind. En fait, elle est installée de manière automatique par le système de build. C'est-à-dire que là où avant, quand on produisait un logiciel, il y avait un développeur qui, à un moment donné, lançait une compilation à la main. Petit à petit, dans les années 2000, on a commencé à faire ce qu'on appelle de l'intégration continue, où on avait des systèmes qui compilaient eux-mêmes automatiquement les logiciels pour les diffuser. Et donc, ça, pour aller plus loin, ça a fourni le mouvement DevOps dans les années 2010, pardon. Et SolarWind a une machine qui fait justement ce packaging de logiciels, et c'est dans cette machine-là, en fait, qu'il y a un logiciel espion qui rajoute lui-même la petite backdoor dans le logiciel de SolarWind. Donc, c'est fait automatiquement et à chaque build. Oui, effectivement, ça continue à parler des hôpitaux. Ouais, c'est effectivement. Les hôpitaux sont une cible particulièrement facile parce qu'ils sont faibles. Pour continuer sur les hôpitaux, Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, sans parler des hôpitaux, hein, mais a dit en 2015 ou 2017, je sais plus, l'important actuellement, c'est pas de courir plus vite que les pirates, c'est de courir plus vite que les copains. Donc c'est un proverbe gobelin, hein, en gros. Il faut pas courir plus vite que les héros, mais plus vite que les autres gobelins. Comme ça, c'est eux qui se feront trucider par les héros. Et donc là, c'est un peu l'idée, c'est que si vous courez un tout petit peu plus vite que les autres, ben, les pirates ne vont pas perdre de temps sur vous, ils vont aller là où c'est plus facile. Et les hôpitaux étant particulièrement vulnérables, ben, et des grosses cibles en plus, c'est plutôt là que ça donne. Et donc, je reviens sur SolarWind. Là, on découvre que c'est le système de build qui est piraté. Et donc, on continue à creuser. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il a été piraté. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette machine-là, le mot de passe, c'est AZERTY 123.
ou QWERTY 1-2-3, je crois, parce que c'est aux États-Unis. Mais en gros, c'est un mot de passe qui a été mis par défaut par en fait un stagiaire, parce qu'en fait, ils ont demandé à un stagiaire de configurer cette machine-là, et personne n'a fait aucune revue derrière. Donc là, déjà, on commence à se dire, ah ouais, quand même. Et puis bon, on continue à creuser, et on se rend compte qu'en fait, en 2017, il y avait déjà eu un piratage qui insérait aussi une backdoor. Donc en fait, SolarWinds, il y avait deux backdoors dedans, parce que deux entités malveillantes, on va dire, avaient piraté consécutivement SolarWinds, une en 2017, une en 2020. Chacune avait rajouté sa backdoor dans le logiciel, mais la deuxième n'avait pas vu que la première était passée. Et la prise de conscience qu'il y a à ce moment-là, c'est que d'un point de vue théorique, on a, comment dire, en sécurité, les gens se sont toujours dit la supply chain, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que les gens qui me fournissent des logiciels, je dois un minimum les vérifier. Mais on n'avait jamais envisagé. Enfin, ce qu'on envisageait, c'est que la supply chain soit malveillante. On n'avait pas pensé à un malveillant qui attaque la supply chain. Et donc, ça a été une espèce de prise de conscience pour pas mal de monde qui était de la surface d'attaque d'une entreprise ou d'une entité ou d'un réseau, c'est pas juste le réseau. C'est aussi l'infrastructure réseau de tous ces prestataires. Et donc là, ça augmente d'autant et ça change la donne. Donc après, bah, on arrive dans le présent, donc c'est très difficile de vous dire quels événements vont avoir des grosses répercussions puisqu'on manque un peu de recul. Donc je vais surtout vous donner deux pistes. La première, c'est au niveau des crises, donc la guerre en Ukraine et la crise climatique actuellement. L'idée, c'est que le monde est de plus en plus sous tension, par exemple le pétrole qui commence à être de plus en plus cher, etc. Et toutes ces tensions-là, en fait, génèrent des tensions entre les entités, entre les États, etc. Enfin, qui font que pas mal de monde va se tourner plus facilement vers le hacking et l'attaque, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de boulot à faire si vous bossez en termes de sécurité informatique. C'est un domaine dans lequel, à mon avis, le plein emploi va être encore quand même quelques années. Autant les développeurs informatiques vont commencer tout doucement à ralentir parce que on va avoir, avec la crise de l'énergie, on va peut-être avoir moins de serveurs, etc., dans lesquels coder. Autant la sécurité informatique, on va continuer à avoir besoin de nous pendant un bon moment. Donc, c'est malheureux à dire comme ça, mais c'est une bonne nouvelle pour vous qui voulez bosser dans le système, enfin dans la cyber. Et en parallèle, la mauvaise nouvelle par contre pour vous, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de recherches depuis les années 60-70 sur l'intelligence artificielle, sauf qu'à l'époque, les capacités de calcul n'étaient pas encore assez grosses pour vraiment faire des choses telles qu'on pensait. Et typiquement, les réseaux de neurones, dans ces années-là, on arrive à reconnaître des lettres, mais pas beaucoup plus, quoi. Et aujourd'hui, les réseaux de neurones, non seulement sont capables de lire, mais ils sont capables aussi de dessiner, ils sont capables d'écrire des textes en se faisant passer de manière assez crédible pour des adolescents. Donc il y a une vraie. L'IA devient un vrai outil avec lequel il faut compter. Il y a des entreprises qui commencent à intégrer de l'IA dans les systèmes de détection. Donc ça existait déjà, hein, dans les années 70-80, on a inventé ce qu'on appelait les IDS comportementaux. Donc c'était l'idée de je vais surveiller le comportement de mes utilisateurs et essayer de détecter des variations à la moyenne pour savoir quand est-ce qu'il y a une attaque. Et puis ça avait fait flop parce qu'au moment de la guerre en Irak, au moment où on déclenche la guerre, bah, d'un seul coup, tout le ministère de l'armée aux États-Unis s'envoie plein de mails. Donc ça déborde des seuils habituels pour le système. Et donc l'IDS croit qu'il y a une attaque informatique et éteint tous les serveurs. Et donc là, on est en train de refaire un peu le même schéma. Hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui se disent on a plein, plein, plein de données qui remontent avec les différentes sondes anti-intrusion partout. Il faut arriver à manipuler ces données-là, sauf que c'est quelque chose qui est fastidieux, qui est compliqué. Il y a énormément de données, donc il faut arriver à trier tout ça. Et donc le mouvement du data science a essayé de faire des choses, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Et donc là, maintenant, on passe la main à l'IA. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un buzzword. Donc forcément, si on met de l'IA, c'est un peu comme les électrolytes. Hein. Ça signifie dans l'esprit des gens que c'est mieux. Et puis accessoirement, parce que pour certaines personnes, l'informatique est tellement magique, et l'IA aussi, qu'ils se disent qu'on peut remplacer un informaticien par une IA, parce que comme on ne comprend ni l'un ni l'autre, dans le doute, c'est pareil. Donc il y a un vrai mouvement de remplacement de l'homme par l'humain. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, il y a des tentatives, il y a des choses, et c'est un champ qui mérite d'être surveillé, que ce soit dans les techniques de hack avec de l'IA, que dans les techniques de défense. Je pense qu'il y a des choses à fouiller là-dedans. Donc voilà, ça c'était pour les différentes tendances. Et donc juste avant de vous lâcher, avant de partir, je voulais vous annoncer qu'on va essayer avec les Arsouilles de mettre des lives. On a créé une chaîne sur Twitch. Et on aimerait bien faire des lives à peu près une fois par semaine. Donc pour tous ceux que ça intéresse, on a créé une mailing list live à base arsouille.org. Si vous voulez vous inscrire, vous avez l'URL en plein milieu de l'écran là-bas.
L'idée, c'est de discuter un petit peu de quel sujet les gens ont envie de parler, quelles sont les questions qui se posent. Et puis, une fois par semaine, on fait un petit peu une synthèse et on répond à deux, trois questions qui ont soulevé un peu plus d'intérêt des gens. Donc, l'idée, c'est de commencer ça à la rentrée de vacances de la Toussaint, donc deuxième semaine d'octobre, pour ceux qui voudront venir essayer ça avec nous, en impro total, hein, forcément. Et puis, si possible, de pérenniser ça en 2023. Donc, tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. Il y a 250 places pour l'instant dans la mailing list. Si ça a du succès, on augmentera. Mais voilà. Si vous avez des remarques, des commentaires, quoi que ce soit, je reste là. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous et des bonnes aventures dans le cyberespace.